Autrefois, ce paysage de verdure, de fleurs et d'arbres fruitiers n'était qu'un désert. Par un long travail, on est arrivé à transformer cette région aride du golfe Persique, le Qatar. L'eau est un élément vital dans ces déserts. On répond donc à ce besoin en dessalinant l'eau de mer dans d'énormes usines et en exploitant toutes les sources d'eau douce existantes. L'aridité du climat a aussi entraîné un appauvrissement des sols en matière organique. C'est pourquoi cette station d'épuration traite les eaux usées de la ville de Doha ainsi que les ordures ménagères dont on extrait des matières organiques. La centrale de Nouaghe produit des engrais organiques à partir des eaux usées de Doha en séparant les matières solides des matières liquides. On évite ainsi tout danger de pollution et cela donne à l'agriculture une source d'engrais. Ces camions-citernes transportent les matières liquides dans les plantations d'arbres où elles sont répandues par un système d'arrosage. Vu le grand besoin d'engrais nécessaire au développement des zones cultivables, le gouvernement du Qatar utilise maintenant des méthodes modernes pour l'exploitation des ordures ménagères. Pendant longtemps, on a résolu le problème d'évacuation des ordures par des méthodes traditionnelles qui étaient coûteuses, compliquées et qui pouvaient présenter un danger de pollution. Des camions de ramassage allaient déverser les ordures dans des décharges en dehors des villes ou bien les entasser dans des endroits non protégés.
Parfois, on brûlait les ordures, ce qui polluait l'air, ou bien on les tassait avec du sable et on nivelait le tout au bulldozer. Aucune de ces méthodes ne convenait et on avait toujours besoin d'engrais. C'est pourquoi le gouvernement a construit cette usine où les ordures sont triées, broyées et traitées. Le résultat de ces efforts, un paysage de verdure et une terre qui peut produire.